Et bien salut tout le monde, c'est Xvesca, aujourd'hui on se retrouve pour nos aventures sur Yakuza version détective privé quand il voudra bien passer par l'ascenseur, merci. Alors, où est-ce qu'on doit aller, Maïs? Au parking. Allez, on y va. Bonjour. Baston time. Ah ouais. Ok. Ah là, c'est le Made in China quand même. Bonjour madame, vous allez bien? J'ai eu un objet là, non? Non, pardon, je suis aveugle. Faut pas changer. Ou alors je vois des choses. Je vois des morts partout! Nous y voilà. Alors c'est ici. C'est ici. Pourquoi Champion Higashi est mort? Pourquoi ça pue? Du cul. Higashi? Salut, ça va? Hein? Yagami! Nani shini kitanda omae? Ojama ka? Ojama ka da? Moshi kashira ni mirareta, omae? Hein? Ah ya. そんなに心配することはないか。もう頭もお前に構ってる場合じゃねえし。昨夜の銃撃事件のせいでか。まあその次の後頭は事務所を出てそれっきりだ。殺が来た時にはとっくに雲隠れしてたよ。で何の用だ。ぼさっと突っ立ってんのは一応客なんだからよ。 座れ。夕べから松金組は大変だね。ああ、事務所はサツでごった返してる。俺もこれ吸い終わったら行くんだけどよ。何しに？事務所の守り固めにだ。組のもんは全員招集かけられてる。なるほど。それにしても、 なんで協力会は急にやる気になったんだ。今まで大人しくしてたのに。今向こうのナンバー2ってのが神室町に来てんだよ。関西の方からわざわざな。ナンバー2。協力会の若頭で塩谷聡、バリバリの武闘派で、ゆくゆくは小馬会長の跡目だ。じゃあ、 昨夜の銃撃はそいつの指図。ああ、しかも塩谷が本当に狙ったのは多分羽村の頭だ。あ、なんでそんなことが。うん、わかるんだな。こいつは昨夜殺された栗本の写真だがよ。うう、どぎついな。両目を撃ち抜かれてる。ただ、 見せたいのは顔じゃない。服装の方だ。ん？この服が？何だって。昨日は頭もこんなジャージを着てたよ。え？栗本とは歳も背格好も似ている。頭も気づいたはずだぜ。本当は自分が狙われたってな。なるほど。 それで慌てて雲隠れしたのか。笑っちゃ悪いのかな。お前随分余裕だな。頭を狙う強霊界にしたらよ、それを無罪にした連中も十分的になる。そうじゃねえか。じゃあ俺も狙われるの？いや、お前より新谷ってやつの方が危ねえ。 法廷で弁護してたのはあいつだろう。ああ、仇が極道に狙われたらひとたまりもねえぞ。まあ俺が新谷の身内なら一言警告してやるとこだ。
Boah, ça va, ça c'est que lui, on s'en fout. On l'aimait pas. On l'aimait déjà pas beaucoup de base. Hein. Vas-y. Vas-y. Hey, on fait tourner le gâchapon. Ouais. Et vas-y, je vais claquer tout mon fric là-dedans. Pourquoi on peut pas genre tirer plusieurs trucs plutôt que de devoir. Attends encore. Ouais, plus bien, je me casse. Ah, il va y avoir une guerre! Ah! D'accord, je sors, ah, ils ont disparu. Kim-san? Yo, Yuto-se-yaro. Genki datta kai? Ma, dare da? Keihin-doumei no Kasai da. Kono mae wa sewan datta na. Nande omae ga? Yagami-san! Aite ni shichat dame desu! Kim-san? Daijoubu? Shizuka ni shiare! Ah! お友達が大切なら、こいつの店に来い！今すぐにだ！くっそ、あいつ。Bah, ils sont où les ennemis qui avaient popé? Il y avait une bonne baston! Il y avait une bonne baston! Il faut aller sauver les copains d'abord, vite! Ah, bonjour! Ah, putain, ça tue deux armes! Putain, hé! Hey, je veux te choper, j'ai dit! Hop! Voilà, on va me régler. Voilà, merci. C'est une musique stressante, là. J'ai. Bon, allez, on y va. Par là-bas. Allez. Faut aller sauver Kim-san. Avant d'aller sauver, un petit bento. Quoi, c'est... Ah non, c'est pas ouvert. Non, je veux un bento. M'alcooliser, ça marche bien aussi. Ah, monsieur. Je vais prendre ça et un petit Jack Daniel, s'il vous plaît, merci. Oh yeah, j'ai 6 verres dans le nez là. C'est bien. Rien. J'ai plus courir à droit là. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Oh bordel. C'est moche qu'on voit pas un peu flou, ça aurait été plus marrant, non? Ah, ah c'est pas facile, bordel. Ah. Allez, avance, Shigami. Ils sont là, non? Kim-san? Yagami-san? Sumimasen! Aikawarazu mukatsuku kao da na, yutousei yaro. Sotchi wa sotchi de aikawarazu no manuke zura da na. Nante tokoro! Oh, soitsu ga Yagami-san ka. Yagami-san, uwasa wa kiiteru. あんた、えらい喧嘩が強いらしいね。そりゃどう思う？俺はホンダ。京浜同盟のホンダレンジだ。よろしく頼むぜ。ホンダ！お前も一緒にこいつを締めるぞ！一緒に？行くぞ！てめえら！ホンダ！なっぜぇ！てめえ！血迷ったか！おいしい喧嘩だ。大勢でボコるなんざもったいねえったらありゃしねえ。邪魔するってならお前らも容赦しねえぞ。おい、何なんだよお前。あんた俺と喧嘩しろ。は？俺はあんたみたいな猛者とやり合うためにこの組織に入ったんだ。だから今すぐ俺と喧嘩しろ。俺暇じゃねえんだけど。八神さんよ、この世に喧嘩より優先するもんなんてね、違うか？はあ、さあおしゃべりはおしまいだ。存分に楽しもうぜ。 OK。
Oh! On se tire! Ah! Attends qu'il la charge, il était déjà foutu, face. Je vais te faire goûter à mon kung fu de Kamurocho! Aise! さすがだあんた噂以上だ最高だなおいこっちはつまらねえ喧嘩に付き合わされてうんざりだよそうか俺には楽しんでるように見えたぞ根っからの喧嘩師だぜあんただが今日はここまでだ何通行人が札に通報してやがったそろそろやってくる頃合いだろう行け喧嘩より優先するもんなんてなかったんじゃないのかあんたが捕まっちまったんじゃ喧嘩を楽しめねえからな八神さん逃げましょう早くああおい今日は楽しかったぜまたやろうな八神さんよここまで来れば多分大丈夫ですキムさんさっきのやつあれ何なの噂聞いたことあります喧嘩狂いのホンダ京浜同盟四天王の一人だと聞いたことがあります四天王そんなのがいんのはい京浜同盟の中でも特に目立っている4人がそう呼ばれているそうです葛西ホンダそして榊場、古賀、彼らはそれぞれ派閥を持っていて多くの部下を従えているそうですつまりあんなのがあと2人もいるってわけかその中でも古賀派は同盟の中でも最大の派閥と聞きます武器の密売でたくさんお金を稼いでいるらしいですだからヤクザも彼らには手が出せない古賀かそいつまで出てきたらちょっと厄介だなすみません私のせいで八神さんあいつらの中でますます有名になってしまったと思いますまあいいさ八神さん気をつけてくださいああキムさんもねAlors, selon votre progression dans l'intrigue et le temps écoulé, vous risquez de croiser plus de membres du clan. Le niveau de menace est actif, vos chances de rencontrer des membres... Ah ! Excellent ! Baston à gogo, comme ça. Bon, on va où ? Moi, j'ai rien contre un peu de baston, en vrai. Ça me fait plaisir. Ça fait zizir. Hey, notre ami là! Il lâche, ma sœur! Dwayne Cruz, what? Un programme musical? Ouais. C'est ça, obtenez un point. Oui, c'est bon, ça en a acheté. Tu me l'avais déjà expliqué, Popo, c'est bon. Retourne au Dragon Ball, Popo. Yoshai! Comment devenir avec le pote? Ami avec le pote. Totalisez total le moment des 8 points. Félicitations, vous avez atteint. C'est bon, ta gueule. Allez, on va. Tu vois, c'est marrant parce qu'on est à 5 verres dans le nez. Bizarrement, ça marche mieux. Bah, il court droit. Pourquoi c'est assis? C'est pas. Ouais, je pense que vous avez compris, hein. Normalement avec 5 verres, t'es supposé ne pas marcher droit non plus. Hein. Salut! Et partout, c'est bon, moi je joue de la baston là. C'est des gardes des gangs, ça va être mon kiff.
Allez, à l'étage. Et où, Shintami? Ah non. Oh, Shintashine-sensei n'est pas là. Non, je ne sais pas où il est. Que lui veux-tu? Oh, juste demander quelque chose, je resterai plus tard. Une petite seconde. Yawami. Tu comptes tourner l'épouse jusqu'à ce que Shintami soit revenu? Tu t'ennuies ou quoi? Eh bien, on peut pas dire que je sois très occupé. Bien, alors j'ai le job parfait pour toi. J'ai un client qui cherche un garde du corps et j'aimerais que tu remplisses ce rôle, Yagami. Un garde du corps? Quel genre de client recevez-vous ces temps-ci? Oh, c'est juste une affaire de garde d'enfant qui a mal tourné, je représente la mère. Elle s'appelle Azusa Otaki et sa fille Karine. Elles doivent comparaître devant le tribunal des affaires domestiques aujourd'hui. Je veux que tu protèges leur trajet. De qui faut-il les protéger? Apparemment, le père était un yakuza il y a peu encore. À ce qu'elle dit, elle a dû fuir avec sa fille lors d'une grossesse, une grosse dispute avec son mari. Alors, vous lui avez affecté un garde du corps juste parce que c'est un ex-yakuza? C'est pas un peu exagéré? La pauvre femme ne semble pas de cet avis. Elle dit que son mari ferait n'importe quoi pour récupérer sa fille. Son mari s'appelle Jin Otaki. Ça ne devrait pas en arriver là, mais tu pourrais les protéger au cas où? Hey. D'accord, c'est limpide. Qui sait quand Shintani Sensei sera de retour de toute façon? Alors je m'en occupe. Merci, je te paierai. Au fait, tu as déjà entendu parler de Shunei Oikawa, l'avocat? Oikawa? Non, je ne crois pas. Il lui représente le père, mais c'est un ancien employé. Hein? Il travaillait ici? Oui, il était déjà parti avant ton arrivée. Et une de ces grosses têtes qui passe le barreau plus tôt que tout le monde. Mais il était prêt à tout pour emporter ses affaires, même à recourir à la corruption ou au chantage. Ah oui, je suis étonné de n'avoir jamais entendu parler de lui alors. C'était un bon, il avait un vrai potentiel. C'est pourquoi je lui ai vivement conseillé de changer ses méthodes, mais il s'en fichait royalement. À la fin, je n'ai pas eu le choix. Je l'ai viré. J'ai pensé que ce serait peut-être le cri d'alarme qui le réveillerait. Sauf que ça ne l'a rendu que plus enragé, crois-moi, ce type n'a plus qu'une idée en tête, me battre. Pour se venger que... vous l'ayez viré, c'est ça? Ouais, mais vivre pour la vengeance, ça rend négligent. Il n'apprendra sans doute jamais. Le cercle de la loi. Enfin bref, savez-vous où se trouvent cette femme et sa fille maintenant? Elles sont passées un peu plus tôt. Elle a dit qu'elle avait quelques courses à faire et je n'ai pas pu la retenir. J'ai beau être conseiller juridique, elle ne semble pas vouloir m'écouter. Charmante famille, on dirait. Vous sauriez où elles auraient pu aller? Il apparaît de se trouver des vêtements qui les rendraient présentables devant la cour. Un magasin de vêtements alors. Très bien, je vais aller la trouver. Allez, salut! Ou pas. Ah si. Je pensais que ça allait s'arrêter, se retourner, une connerie dans le genre. Ah non, il s'est juste arrêté. Bon, le jeu, là, hop, merci. Bon, où est la meuf? Ah ça, faudrait que je regarde pour un nouveau look, moi. Ça serait peut-être pas mal. Bon, la guerre des gangs, là. Quand est-ce qu'elle arrive? J'ai besoin de baston, là. Baston. Baston. Va t'exploser le fion. Un gros coup de baston. Dragon Ball Z, Z. Oh non, pas générique de merde. Arrête de chanter avec ça. Baston. Baston. Et là, mon gros. Attends, me charge ton pote d'abord. Arrête de me taper dans le dos, c'est pas bien. Aise. Yeah, 1000 yens. Ah, c'est loin. Pourquoi il n'y a pas des points de téléportation? Oula.
Ah, c'est bizarre, ça ressemble à des... Ah oui, c'est des Yakuza. Salut. Je vais vous bastonner, je suis là. Pouah, uppercut. Oui, filmez-moi, je suis une star, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah oui, genre chic, c'est chic ici, hein. La femme que j'aurais protégée est-elle là? Oh, oh, ça doit être elle. Excusez-moi, madame, êtes-vous Azusa Otaki? C'est moi, qui êtes-vous? Je suis Yagami. Genda-sensei m'a demandé de veiller sur vous aujourd'hui. Oh, Yagami-san! Oui, Genda-sensei m'a parlé de vous. Eh bien, enchanté. Votre fille est-elle dans les parages? Karine, vous ne l'avez pas vue? Yeah. Eh bien, non. Vraiment? Vraiment, elle était là il y a encore une seconde. Je devais être si absorbé que je n'ai pas fait attention. Se serait-elle perdue? C'est pas bon signe. Elle fait une cible facile pour le mari en étant seule. Que dois-je faire? Je vais la chercher. Restez ici, au cas où elle reviendrait. Ok. Peut-être que quelqu'un l'a vue dans le coin. Elle devrait demander. Mais avant, les affaires. Il a chiamassé. Finalement, pas les affaires. Arigato gozaimashita. Bon, où est la gamine? Ok. Ouais. Yeah. Je vais la retrouver, mais elle est où? On peut pas descendre à la station de métro. Madame? Ah non. Excusez-moi, avez-vous vu cet enfant? Je n'arrive pas à la retrouver. Oh, je crois l'avoir vue tout à l'heure. Ah oui? Oui, elle se promenait sur Nakamichi Street. Merci. Gamine, t'es parti où, bordel? Ah, les enfants, on peut plus les contrôler de nos jours, hein! Putain, c'est peut-être mieux de les laisser devant Fortnite pour qu'ils s'abrutissent! Mon dieu! Ah non, c'est vrai, ils connaissent pas Fortnite au Japon, ce sont des gens civilisés, j'avais oublié. Ouais! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je parle d'être civilisé, tout d'un coup, boum! Vous m'agressez! Vous voulez me ridiculiser devant les gens, c'est ça? Ta gueule! Shibaraku netokette. Oh, mais... Ah, voilà la gamine. Gamine! Oh. Elle ressemble à Karin-chan dans cette photo. Nah. Kero et Taki, tais-toi. Vous êtes qui, monsieur? Je l'appelle Yagami. Genda-sensei m'a engagé pour veiller sur toi et ta mère. Elle t'a perdu de vue. Depuis que maman tient à moi, je suis assez grande pour faire ce que je veux, alors laissez-moi tranquille. Je ne peux pas faire ça. Si maman et papa veulent divorcer, d'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est vivre ma propre vie. Est-elle vraiment si insensible à ce divorce? Ouais. Karine, qu'est-ce que tu fais là? Oh, papa, je te cherchais. Ah, tu es sûr que c'est une bonne idée? Ta mère serait fâchée si elle l'apprenait. Je m'en fiche. Pour un ancien Yakuza qui ferait n'importe quoi pour récupérer sa fille, il ne semble pas si désespéré. Papa, je vais te donner quelque chose. Hein? Karine, stop! Karine, stop! Qu'est-ce qui te prend peur de partir comme ça? Hein? Mais je te dis, je vais me dégourdir les jambes, tu as dit d'accord. Eh bien, tu as dit à l'endroit dans ouais. Ah, bref. Allons, Azusa, tu comptes vraiment obtenir la garde exclusive de Karine dans ce divorce? Absolument! Karine ne s'épanouira jamais pleinement à tes côtés! Je vais l'élever comme il se doit! Tu n'as aucun droit de dire ça! Je suis son père et je... Bien, Karine! Il faut qu'on retourne voir Genda-sensei! Je vous ai dit, divorce ou pas, je m'en fiche! Et tu te crois où, jeune fille? On y va, j'ai dit.
n'y va pas de main morte. Oh. Karine n'aurait-elle pas jeté quelque chose? Un ticket d'entrée pour un cirque? C'était ça qu'elle essayait de donner à son père? Je vais garder ça pour elle jusqu'à ce qu'elle soit calmée. Elle retourne au bureau, a priori. Je ferais bien de les suivre. Oh. C'est encore une de ces connasses de mère qui se dit ah, c'est moi qui ai enfanté, donc c'est moi qui ai la garde de l'enfant alors que le père il y est pour rien. Ah là là, c'est fémen. Il y a des femmes qui pensent qu'un homme ne peut pas éduquer son enfant, qu'un homme est irresponsable. Eh bien enculez-vous les fémen. On vous encule. Allez, on y va. Je suis sûr que le papa Yakuza il fera bien son taf. Grognasse là qui pense qu'à l'argent apparemment, elle va bien se fringuer, elle est même pas capable de savoir où est sa propre fille, sale pute. Ouais, je mâche pas les mots, sale pute. Et en plus elle m'agresse avec un couteau, pire qu'une femme hein. Aucun honneur. Mais c'est qu'il est balèze le petit goto là. Ok, tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Hop! Toi là, viens là. Allez. T'as rendez-vous avec la voiture. Tiens. Bon, il est où le gros là? Non. Putain, tu t'as. Reviens ici, j'ai dit! Ah, mais putain, ils les font trop vite là. Ah, je dis pas, un petit peu de difficulté c'est bien, mais. Ta gueule! Tu vois pas que t'es en train de me bastonner là? Une assiette en fer. Pourquoi est-ce que les gens ont des assiettes en fer, sérieux? C'est une coutume japonaise, ça a dû faire sur toi. Ça t'apporte bonheur. Ah! Hein? Vous? Mmh. Êtes-vous la père de Karin-chan? Que faites-vous ici? Et ton droit n'a pas changé d'un pouce. Toujours cruellement besoin d'un bon nettoyage. Oikawa, que veux-tu donc? Oikawa? C'est l'avocat du père, si je me rappelle bien, et l'ancien élève de Genda-sensei. Inutile de montrer sur vos grands chevaux, Genda-sensei. Si je suis là, c'est que j'ai une proposition à vous faire. Une proposition? Un arrangement. Ne pensez-vous pas que ces deux-là peuvent s'accorder sur une garde à l'amiable hors des tribunaux? Bien sûr, ce serait dans l'intérêt de tout le monde. Mais... Hé hey, je n'ai aucune intention de lui convier ma fille. Ta gueule, grognasse. Oh vraiment, peut-être changerez-vous d'avis en voyant ça. Ah! Et ça? Comment as-tu ces photos, Oikawa? Mon client se doutait que sa femme la trompait et il a engagé un détective privé. Trompé? Ce type n'était qu'un VRP, rien d'extraordinaire. Un VRP, c'est quoi ça? Il m'a proposé de prendre un verre et j'ai accepté. Un VRP, prendre un verre? c'était tout à fait innocent. Je crois que les mensonges ne pèsent pas lourd à la cour, madame. Voici une photo un peu plus compromettante. Devant un nouveau hôtel. Quoi? Que se passe-t-il, Otaki-san? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais rien du tout. Je ne sais rien de tout ça. Je suis rentré après quelques verres, je le jure. Je crains que la photo ne vienne contredire vos propos, madame. Votre mémoire vous jouera-t-elle des tours? D'après le privé, vous étiez plutôt saoul. C'est... Bon sang, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce genre de photo fasse surface. Non, c'est un complot. C'est forcément ça. Un complot? Cet homme qui apparaît juste avant le procès, ce n'est pas une coïncidence. Et ses coordonnées? Bidon, certainement. Et puis je tiens très bien à l'alcool. J'ai trouvé étrange de me voir si saoul ce soir-là. J'étais drogué. C'est une sorte de piège élaboré. Oh, ta gueule, connasse, assume. C'est un procédé courant pour duper un homme. Mais ça doit aussi marcher pour avec les femmes. Oikawa irait-il jusque-là?
J'insiste, ce n'est qu'une proposition. Libre à vous d'y réfléchir avant de vous rendre au tribunal. Avec ce genre de preuves, je doute que votre client te remporte la garde. Et si nous pouvons prouver l'adultère, nous pourrions même finir par demander réparation. Où veux-tu en venir ? Crache le morceau. Mon client n'est pas sans cœur, Ganas Heisei. Accordez-lui la garde exclusive et nous n'exigerons aucun dédommagement. Tu es toujours aussi ignoble, Akawa. J'imagine que le VRP faisait partie du plan. Accordez simplement la garde à mon client. Elle n'a qu'à signer la nouvelle ébauche des documents de divorce. Vous ne comprenez pas, Ganda Sensei. Vous avez déjà perdu, échec et mat. Perdu? Les procès ne se gagnent pas avec des pièces sur un échec, Kawa. Alors disons que le roi est sur le point de tomber. Quel intérêt à combattre si on ne peut plus gagner? S'il vous plaît, Ganda Sensei. Je suis peut-être une pute, mais je n'ai pas fait ça. Vous me croyez, n'est-ce pas? J'aimerais bien, mais... Si c'était un piège, je pourrais peut-être dénicher quelques preuves. Ça vaut le coup d'y consacrer un peu de temps. Ah non. Je vais dégourdir les jambes, Ganas Heisei. Ne faites signer aucun document pour l'instant. Megami, va bien. Oh mon dieu, quoi. Laissez le pauvre papounet garder la petite fille, quoi. J'aurais commencé par le hôtel. Ok. Il se trouvera probablement dans l'hôtel district et je peux me référer à photos au besoin. Ah oh, mais sérieux, hein. Hey, les japonais! La meuf a déjà l'air d'être une grosse salope, c'est bon quoi! Ah là là! Je vous jure! Alors, le motel! Ah, j'ai cru lire une lutte. C'est quoi ça? Pigirl au carré! C'est cher, si, mais hop, non, c'est pas trop cher! Bon, où est-ce qu'on trouve à Love Hotel dans Kamurocho? Normalement, il devrait y avoir que ça. Oh, bordel. Tu veux te battre? Tiens, coup de boule dans les boules! Alors... Où est-ce que ça pourrait être? Bonjour monsieur, vous allez bien? Apparemment on est dans la zone. Alors, un Love Hotel. Bon, il a déjà peur dans sa petite ruelle. Ça contient un clou. Au choix. Ah! Voici le motel où cette photo aurait été prise. Je peux vous aider, monsieur? Êtes-vous venu seul? Oui, je suis venu me frapper tout seul. Oh, oui, vous travaillez ici? Oui, je suis réceptionniste. Oh, je vois, vous êtes le contact, c'est ça? Le contact? Bah, peu importe qui vous êtes, donnez-moi simplement 100 000 yens et j'efface la vidéo. Je pense que vous vous trompez de type. Je m'appelle Yagami de l'agent de détective Yagami. Vous êtes détective? Oui, je travaille sur une affaire et j'aimerais vous poser quelques questions si vous le voulez bien. Bon, sans oublier ce que je viens de dire, j'ai des trucs à faire. Ouais. Hé, vieux schnock! Oh, te voilà, tu es en retard. Oh. Minute, ce type. L'homme sur la photo. Ah. Comment ça, t'as pas encore supprimé la vidéo de sécurité? Je t'ai déjà payé. Tu as dit que tu l'effacerais si je te donnais l'argent. Eh, hey, désolé, mais je crois que j'ai des trous dans les poches. Va falloir sortir le double. Cherche pas une autre avec moi, l'ancien. Tu supprimes cette merde tout de suite, ou je te fume. Ah! Hey, vous connaissez Azusa Otaki, pas vrai? Hein? Vous êtes qui, vous? Dites-moi seulement si vous êtes venu avec Azusa Otaki. Ce ne serait pas lié à la vidéo de sécurité, par hasard? Qu'est-ce que j'en sais? Oh, vous savez, et à en croire votre défiance, je dirais que la vidéo comporte des preuves vous incriminant.
Oikawa vous a demandé de veiller à ce qu'elle soit effacée, mais le deal avec ce vieil homme commence à faire long feu. Ça résume bien la situation. Fermez-la ! Si vous me mettez en travers de mon chemin, je vous tue ! Bon. Bam ! Bien ! Kaboum ! C'est dommage qu'il perd pas des petites dents quand il fait ça. Oh, t'es drôle. Gars ! Non. Hey ! Vous avez dit de ne pas avoir effacé la vidéo. Je me trompe ? Eh, c'est ça. Je me disais que ça vaudrait bien quelques billets. Et j'avais vu juste. D'accord. Je vous l'achète dans ce cas. Hein ? Vous êtes sérieux ? Combien vous me proposez ? Ça dépend du contenu. Si ce que je cherche est là-dessus, je vous paierai les 100 000 convenus. D'accord ! Je prends ! Je vais aller vous la chercher. La voie est libre. C'est bon. Je veux voir environ 10 minutes de vidéo à partir de 20h27. Vous avez ça? Ouais. Tout est là. Nanda. Votre playboy tout à l'heure. Je dois faire la lumière sur la femme qui l'accompagnait. Ayashi. Nanda. Pas terrible, je ne peux pas deviner son visage. C'est pas elle. Ah, cette femme qui l'accompagne. Ce n'est pas Azusa, Azusan. Les orondateurs sont identiques. Comment un cliché pris à la même heure peut-il montrer deux femmes différentes? La photo a-t-elle été trafiquée? Il suffirait que la femme ait les mêmes habits pour superposer les visages. Ouais, c'est une preuve assez solide de la manualité d'Oikawa. Gras! Non! Hé! Non! Bon sang, je pense que le disque dur est fichu. Voilà ce qui se passe quand on me la fait à l'envers, l'ancien. Non! Il n'y avait pas de copie, pas vrai? Si j'apprends que tu as copié ça, je te tue sans déconner. Non, c'était la seule copie. Ah! Il semble que j'ai gagné. Cette bande ne verra jamais la lumière du jour. Maudit sois-tu, Oikawa. Ah, et c'est bon, hein. Faites un truc amiable et puis faites pas chier. Yagami, du nouveau. La photo de votre cliente entrant dans l'hôtel avec cet homme, c'était fabriqué de toutes pièces. Quoi? Oikawa, tu... Je ne vais pas accepter des accusations infondées sans broncher. Avez-vous des preuves? Non. L'ordinateur qui les contenait a été détruit. Quelqu'un a tout fait pour les supprimer. Alors ça ne vaut même pas la peine de s'y attarder. Oikawa, aurais-tu apporté cette photo préalablement au procès par crainte d'être percé à jour? Je vous en prie, écoutez-vous parler. Couplé à la mémoire embrumée de votre cliente, cette photo est aussi valable que déterminante. Et aucun juge de bonne foi ne prendrait la défense de votre cliente avec des preuves photos comme celles que je détiens. Alors, Takisan, qu'en dites-vous? Payer le dédommagement et voir cette photo vous traîner dans la boue au tribunal? Otakisan, je vous en prie, prenez le temps d'y réfléchir. Je n'ai plus aucune chance de gagner, n'est-ce pas? Si c'est pour écoper des dommages et intérêts de venir la réaliser des tabloïdes, je préfère signer dès maintenant. Salope! Madame, pas de précipitation, étudions d'abord les options. Ça suffit, Ganda Sensei. J'en ai assez. Finalement, vous n'avez pas été d'aucun secours.
J'ai déjà fait mon choix. Ah, et mon client va obtenir la garde exclusive. Il semble que j'ai gagné, Ganassasei. Ah, 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 je vous ai enfin battu. Mettez ce que vous voulez sur ce stupide document. Je vais m'en aller. Comme ça, vous pourrez vous battre tant que vous le voulez. Ouais. Carré, ne fais pas ça. Tu ne veux pas vivre avec ton père ? Yagami. Crois-tu qu'ils aient seulement tenu compte de la vie de leur fille, Yagami-san ? Elle s'est enfouie avec la gamine, mais crois-tu qu'ils aient discuté de ses souhaits avant de prendre des avocats ? Eh bien, elle est assez grande pour que son avis compte. D'ailleurs, je crois exactement savoir ce qu'elle en pense. Nani ? Vraiment ? Depuis qu'Oikawa a fait éruption, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer. J'ai des preuves qui semblent indiquer les attentes de Karin. Quoi donc, Yagami ? Karin-chan voulait donner ça à son père, mais à la place, elle l'a déchiré. Nani ? Attends, elle comptait lui donner ça ? Oui. Oui, je suis prêt à parier que c'est à l'image de ses sentiments. Des tickets pour le cirque ? 3 ? Eh ? Le chiffre veut tout dire, je pense. Je vois, merci Yagami. On pourrait bien parvenir à une solution à l'amiable, finalement. À l'amiable, hein ? Non. Karin-chan, aimerais-tu dire quelque chose à tes parents ? Je sais pas. Je crois savoir que tu essaies de donner ça à ton père. Oh ! Il y a 3 tickets ici. C'est ça que tu veux vraiment, non ? Karin, où veux-tu en venir ? Je crois que je sais. Ouais. Je voulais qu'on retourne au cirque tous les 3. Retourner ? Tu ne te rappelles pas la dernière fois qu'on y est allé ? N'arrêtez pas de vous disputer avant le spectacle. Mais en revenant du cirque, vous vous entendiez super bien. Vous souriez, vous riez. Je me disais que peut-être en allant au cirque ensemble, ça pourrait marcher pareil. Tu sais quoi, pourquoi avoir déchiré les tickets, Karin-chan ? C'est que... Tu n'oses pas parler, pas vrai ? Je... Non. Karin-chan, ils seront toujours tes parents. Si tu as quelque chose d'important à leur dire, n'hésite pas. Vide ton sac, jeune fille. Dis-leur ce que tu ressens. Ce que je ressens ? Oui, c'est maintenant ou jamais, sinon... Tu finiras par le regretter. Ah maman, c'est une pute ! Ça suffit. On a dépassé le stade de la réconciliation. Vous avez raison, monsieur. Je ne vous ai pas tout dit. Mais à quoi bon ? Même si je vous le disais, vous ne m'écouteriez pas. Vous voulez juste divorcer. Karin, je te promets donc qu'on écoutera. Je ne veux pas vivre seul. Je veux qu'on vive ensemble, tous les 3. C'est si difficile que ça ? Je ne veux pas qu'on soit séparés. Karin. Sachant ce que ressent votre fille, avez-vous vraiment dépassé le stade de réconciliation ? En avez-vous au moins parlé depuis le départ d'Asusa et Karin ? J'imagine que non. C'est vrai. Nous n'avons pas parlé. Eh bien, vous pouvez peut-être commencer. Et si vous voulez encore divorcer après, je serai là. C'est vrai. Nous devons prendre notre fille en considération. Nous avons pris une décision trop hâtive. Ah bah putain, c'est maintenant que tu te réveilles, grognasse ! Oui, en tant que parent, on lui doit bien ça. Alors, c'est décidé. Tu peux y aller, Oikawa. Attendez, Ganassasei, vous ne pouvez pas abandonner le combat. Je ne l'accepterai pas. S'il n'y a pas de divorce, vous ne serez pas payé non plus, vous savez. Tu comprends toujours pas, Oikawa. Nani ? Comprendre quoi ? Notre travail est d'obtenir le meilleur résultat possible pour nos clients, de les soutenir dans un moment charnière. Si tes choix sont influencés par ton portefeuille ou ton orgueil, tu ne mérites pas d'avoir des clients. Hein ? Où voulez-vous en venir ? Écoute, en fin de compte, si c'est pour le bien du client, ce n'est pas grave de perdre les procès. Pas grave de perdre ? Dans quel monde ? Si tout ce qui t'importe c'est de gagner le procès, tu resteras un avocat médiocre toute ta vie. Je vous emmerde ! Je ne vais pas vous laisser me faire la morale ! Oh gna gna, c'est pas terminé ! Vous pouvez me croire ! Je n'accepterai pas. Jamais. Bon sang, tu ne comprends toujours pas. Jin-san, le divorce est dans votre intérêt.
Elle a déjà prouvé qu'elle sauterait sur le premier venu. Son avocat affirme que c'était un coup monté. C'est faux. Les accusations sont sans fondement. Il n'y a aucune preuve. Et bien sûr, votre femme ne se rappelle pas. Vous allez accepter ça? Eh bien... Seul un fou accepterait. Mes sentiments envers votre femme n'ont pas vraiment changé. De plus, pensez-vous vraiment que vous pourrez vous entendre après tout ça? C'est peu probable. Vous avez sûrement raison, mais... Bon sang, et Kawa essaie de le déstabiliser. Il commence à douter de sa décision. Ces photos sont aussi vraies que la Terre est ronde. Ne laissez pas ces gens vous embrouiller. Mushi. Pardon, je cherchais un certain Yagami-san. Ah, vous voilà. Je vous ai enfin retrouvé, Yagami-san. Le réceptionniste de l'Ove Hotel, qu'est-ce que vous faites là? Bah, je suis passé à votre bureau, et vous y étiez pas. Mais un mec qui avec des airs de Yakuza m'a dit de venir ici, et vous voilà. Ah non. Très bien, mais je suis assez occupé là. J'ai une offre à vous faire, vous vouliez acheter ces données, pas vrai? Oui, mais... Le PC a été détruit, non? Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'autre copie. Ouais, et je redirai la même chose, ce connard blond était là de me menacer. Mais en vérité, j'ai fait une copie. Je me suis dit que ça pourrait vous me servir. Quoi? Je dois voir un paquet, hein. 100 000 yens, ça vous va? Bon, allez, hein. Ah. Oui. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. Gena Sensei, je dois emprunter votre PC. Il me faudrait 100 000 yens en frais professionnels, s'il vous plaît. Nani? J'espère que ça en vaut la peine, Yagami. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, parfait. Yagami. Yagami, tu veux bien nous expliquer? Non. Vous savez ce que c'est, Oikawa-san? Vous avez tout fait pour que ça ne refasse pas surface. Vraiment? J'ai bien peur que oui, c'est la preuve que vous avez fabriqué la photo. C'est la vidéo sécurité du Love Hotel. Nandato. Impossible. Yagami. Yagami, je crois que nous devons une explication. Comme vous pouvez le voir, l'ordre de la photo correspond à celle de la vidéo. Mais la femme est différente. Évidemment, il n'a pas pu entrer dans l'hôtel avec deux femmes différentes. Donc, la photo d'Oikawa est fausse. Elle a été retouchée. Nani? Quoi? Oikawa, tu en es réduit à la contrefaçon. Tu tends vraiment le bâton pour te faire battre. Ah non, c'est... Qu'est-ce qui arriverait si la cour était au courant, à ton avis? Tu pourrais perdre le droit d'exercer. Non, c'est... Tu tiens encore au procès? Je suis partant, Oikawa. À toi de voir. Mais je pense que le problème de la garde deviendrait vite un procès pour faute professionnelle. Soyez maudits, tous les deux! Il avait décampé. Quel stupide gamin, il est encore si immature. Tu pars, t'as vu les parents dire ça? Papa, maman, on a plus besoin de ça, pas vrai? Karine. Oh. Non, on en a plus besoin. Putain, le mec même pas souriant, rien. Il y a sa fille juste à côté de lui, et sa femme, il en a rien à foutre. C'est quoi ce couple de merde? Merci Yagami, tu m'as vraiment sauvé la mise. Non, c'était un honneur de voir en vous l'avocat que j'ai toujours su que vous étiez. Ah, alors contrairement à Ikawa, tu comprends. Tu sais, si tu veux recommencer à exercer, tu es le bienvenu chez nous. Tu as fait de l'excellent travail aujourd'hui. J'ai juste fait ce que je pouvais. En tant que détective. Mais j'ai appris quelque chose. Je ne suis pas fait pour être un avocat comme vous, Genda Sensei. C'est pas pour moi. Bon sang, pourquoi tous mes étudiants deviennent des avocats médiocres? C'est peut-être ma faute. Ah non. Médiocre? Vous me mettez dans le même sac? Chitani? Tu as depuis longtemps? Assez longtemps. Est-ce qu'on peut mettre pause ou pas? Ouais, on peut mettre pause. Ok. On aurait dit que les choses allaient dégénérer, alors je me suis fait discret. Je ne voulais pas gâcher le moment. Eh bien, tu tombes à pic. Tu avais besoin de Shintani, n'est-ce pas? Yagami? Ouais! Cinématique?
新谷先生、ちょっといいか。ああ、一応あんたの耳に入れときたい話がある。ちょうどいい。こっちも話があるんだ。え？来いよ。Et bah, ça sera au prochain épisode. Allez, sur ce, Lou, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la houii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 i